Bonjour, alors aujourd'hui pour ceux qui ont un petit peu peur de se lancer dans le démontage des carénages du V-strom, et bien du coup un petit tuto, démontage, remontage, enfin en finale c'est relativement simple. Ce qui est juste un petit peu pénible avec cette moto, c'est que dès qu'on veut faire quelque chose dessus, il faut absolument tout enlever, on n'a pas le choix. Allez, c'est parti pour la vidéo.